la plage. Nouvel objectif, partir sur la côte sans argent. Là maintenant ? Là maintenant. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors là, on va prendre le RER pour aller le plus loin possible vers le nord-ouest. On va essayer de faire du stop ensuite et rejoindre la côte comme ça. Ça te va ? Ça me va. C'est comme ça qu'on avance, hein. Enfin, c'est comme ça qu'on y arrive. On avance petit à petit, mais on avance, c'est déjà ça. 39 degrés. Ouais. Ah, c'est pas possible, je brûle dehors. Ah, beau bronzage. Oui, je serais bien bronzée. Et on s'est dit, on monte pas dans une voiture où il n'y a pas de clim. Là, je vais vous déposer à Gisors. D'accord. Après, d'accord. On va faire du stop. Moi, où je suis à une quinzaine de kilomètres de Dieppe. Je vais vraiment bien pouvoir profiter. Ah ouais, t'es doux. Il a marché moins 3,5 km avant d'être pris. Quoi. Oh là là. Bah oui, j'étais étonné quand même. Parce que les gens du camping, ils nous ont dit que vous allez voir, ils vont vous prendre sans problème. Ah ouais. On aperçoit déjà presque la mer tout au bout là-bas. Ouais. Je suis optimiste. Et vous êtes du coin là, vous ? Ah oui, j'habite à Chaumont avec ça, un petit village qui habitait avec à côté là. D'accord. Moi je travaille sur Paris parce que je viens de Cergy en fait. On a été à Paris plage, sauf qu'à Paris plage il n'y a que du sable, on peut pas se baigner. Ah bah là il y a des galets. Musiciens ? Ouais. Dans un bar Ouais, c'est ça, c'est une réserve de bison. C'est un endroit qui s'appelle Rêve de bison. On s'est dit au pire on dormira dans les galets. Yes, madame. Yes, madame. Vous allez avoir des tenues country et tout. Ah ouais, on met le chapeau, on met les Santiago. C'est vrai. Ah, c'est trop fort. Non, mais je suis bien contente qu'on monte mon fils, parce que mon fils, c'est pareil. Il n'a pas de permis, et puis bon, ben, pour faire de la route, il est obligé de
faire le stop aussi. Alors bon, mais d'un côté, le ville est monté, puis moi, je monte les gens d'un autre côté. Je suis sur la route de Dieppe. Nickel. Hop. Bon courage. Réussir à aller à la plage d'ici ce soir. Merci beaucoup Jean-Pierre. Oh, parce qu'on se croit encore un peu à Cergy, mais en fait on est à Dieppe. Ça y est, on voit la mer. C'est tout là-bas. C'est tout là-bas, ça se confond un peu avec le ciel. Et on y est dans une demi-heure. Bon, on a réussi. On a réussi, enfin dans une demi-heure. On arrive à la... Mr. Cormorant, what do you do? 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 Les pros des travaux seraient très énervés de voir la catastrophe qu'on est en train de faire.